Dis papy, il arrive quand le train ? Aucune idée. Tiens, en parlant de train, tu sais que c'est sur les rails que j'ai rencontré ta mamie Jo. Je pédalais à toute berzingue pour me rendre à un entretien d'embauche. Oui, j'étais jeune et fort à l'époque. Ouais, mais pédaler, c'est sur un vélo, pas sur des rails. Sauf que j'utilisais le vélocipède sur voie ferrée. C'était une sorte de tricycle et... Bref, reprenons. L'ennui, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'étais trempé. Heureusement, une brave demoiselle m'a tendu son parapluie. Elle a eu au passage le béguin pour moi. Tu t'en doutes ? Une fois arrivé à Fribourg, j'empruntais un drôle de téléphérique qui recyclait les eaux usées de la ville pour faire fonctionner la machine. Mais du coup, ça sentait pas la rose. Malgré ça, je lui adressais moult missives passionnées pendant mes trajets à bord du funiculaire 6. Oh, trop mimi. Puis on a enfin eu notre premier encart. J'ai enfilé mon plus beau costume et j'ai sauté dans l'aérotrain pour la retrouver. Ah, j'avais hâte d'enlacer ma Jo et... Un train qui vole ? Presque. En réalité, il reposait sur un coussin d'air et était propulsé par une hélice. Comme en lévitation. Ah, oh, sacré Bertin. Il était drôlement innovant pour les années 80. Il existe encore ce train bizarre ? Non, mais pour l'anniversaire de ta mamie Jo, nous avons eu l'occasion de monter à bord de son descendant, le maglev japonais. Entre nous, ta grand-mère raffolait tout comme moi des innovations ferroviaires. Ce train, qui utilisait la force des aimants pour survoler les rails, filait à une de ses vitesses. Ah, c'était le bon temps. Dis papy, tu crois pas qu'on devrait prendre la voiture ? Tiens, en parlant de voiture, je t'ai déjà raconté le jour où j'ai conduit la première automobile électrique.